Quelle phase de jeu, la Côte d'Ivoire, le ballon élevé, le portier, en bout, bientôt 15 minutes, au cadre de Chambourg, à Bunette, voici un ballon en direction de Mansouka Kouamoro, voici Mansouka Kouamoro, il va faire la demande, mais là tu passes la réparation, là, le retour derrière le, la défense dans l'Équato-Guinéenne, mais c'est Mansou qui est toujours à la charge, et il va trouver Abdou Dagoblès qui va faire dans le plan. Il fait appel à Abdou Dagoblès. Mansou parcourt Amoro en soutien. On revient vers la charnière centrale. Même plus pratique. Voici Mansou parcourt Amoro. D'accord, et tu crois te prendre votre optimisme? Je n'ai pas dit optimisme, c'est un. D'accord, on espère. Voici la partie qui va reprendre, vous êtes sûr. Elite FM, président Bizabal, qui en a autour de la prochaine. D'accord. On va sur ce ballon. On est maintenant du côté de Macori, la Côte d'Ivoire à côté, boulevard Valéry Giscard d'Estaing le connaît, parti à la Rémoise, la suite de réparation, ça va se détendre, mais ce sont les deux patrons qui vont se dégager. Mansou Kouakou à la rescousse, Baton de parti, il va progresser, voici le 1-2, ça repart. Et c'est le point de Côte d'Ivoire avant de passer le premier essai. Voici Ounojan, Adou Dagoblès, Carmo Kouanatan, Adjelou, voici Mansou Kakou. Il faut dire que l'équipe publique est en phase avec cette sélection ivoirienne. Le public est en phase dégagé. Et je suis convaincu qu'on pourra avoir gain de cause. 21 minutes, plus que 24 minutes à jouer pour cette seconde période. Il se propose dans les deux champs, les éléphants qui bénéficient d'un coup fort. Marchez d'un côté pour le ballon, le ballon. La Tupaka. Djoïde, Djogbe Moïse, il va écarter, il va trouver les passants. Il a beaucoup de gestes techniques. Il a beaucoup de gestes techniques.